Et salut à tous les amis, c'est Manfou et aujourd'hui, nouvelle petite vidéo dans laquelle je présentais les amis des nouveaux petits bonbons voilà, que j'ai achetés. Bien sûr, c'est des bonbons qui viennent des États-Unis. Donc voilà, j'ai pris un petit colis et ensemble, je voulais vous faire une petite vidéo pour déguster tout ça et voir un peu ce que j'en pense et voir un peu ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà goûté ou pas du tout. Donc voilà les amis, donc on va commencer directement avec le petit abonnement qui ferait tellement plaisir les amis. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous. N'hésitez surtout pas à mettre un petit like sur la vidéo si ça vous a plu ce genre de vidéo là. Si on atteint les 15 likes sur la vidéo, je vous en referai une. Parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde ces vidéos, ce genre de vidéos là. Même si beaucoup de gens regardent d'autres vidéos sur Fortnite tout ça. Mais ça c'est vraiment des vidéos que j'aime faire. Des petites dégustations tout ça. Et voilà, donc c'est pour ça 15 likes. Donc je compte sur vous les amis. Merci à tous ceux qui le feront. On va commencer directement les amis avec un bonbon que je n'avais jamais vu. Voilà, donc le bonbon il s'appelle Mega Foam Grandi. Voilà, je vais vous montrer directement. Je sais pas si vous arrivez bien à voir. Petit focus. Donc voilà, je sais qu'avec. Parce que comme là, il y a une lampe qui est juste ici. Donc voilà. Mais après, voilà, c'est une genre de bonbon comme ça. C'est un genre de pitch. Donc voilà. Donc là, vous avez une genre de petite languette qui est juste ici. Voilà. Donc là, on va voir directement ce que c'est. Je sais pas si. Ouh, ça a l'air d'être épais. Ça a l'air d'être bien épais quand même. On va voir ça. Oh, ça sent bon. C'est quoi ça? Regarde, on dirait de la bave d'escargot. Ah. What, c'est chelou. Attends, comme ça, on voit plus, ouais. Ah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Oh, regardez, on dirait de la bave d'escargot. Attends. Oh. C'est dégueulasse. Ouh, je vais te dégueuler. C'est vraiment dégueulasse. Si j'ai une petite note à mettre sur le bonbon, j'y mettrai du 2 sur 10. Je vous jure, c'est dégueulasse. Vous savez quand vous êtes dans votre bouche, il y en a que ça, c'est des gros molars, tu vois. Et vous mâchez, et après vous avez genre de la mousse chelou dans votre bouche. Et ben c'est presque pareil, j'ai l'impression de prendre de la bave de quelqu'un. Donc là franchement c'est hyper dégueulasse. Ensuite les amis, on va directement tester aussi ce petit bonbon là. Voilà, qui a l'air quand même assez cool. Voilà, plus cool que l'autre. Parce que l'autre franchement je vous jure j'ai l'impression de... Voilà, qu'il y a un film, vous savez quoi. Et puis qu'on se crache dans la bouche de l'un à l'autre quoi. C'est vraiment hyper dégueulasse quoi le délire. Donc là, on va goûter ça aussi. Oh, ça par contre, c'est rigolo. Voilà. On va dire à bébé. Maman. Ça par contre, c'est bon ça. Quand je vais faire une vidéo, je vais faire. Non, par contre, ça c'est super bon. Ouais. On dirait une sucette. Et ça, franchement, je valide. Ça, c'est super bon. Donc voilà, franchement, si note à mettre sur celui-là, j'y mettrai du 8 sur 10 parce que c'est très très bon. Mmh. Ensuite, on a ça. Donc, ça, les amis, c'est des méga mix jumbo berber. Bref, je pense que ça, vous connaissez. Regardez, si j'arrive à voir le paquet, c'est genre de boules comme ça. Mais je sais que nous en France, on a des boules comme ça, mais c'est pas les mêmes. Genre, c'est des boules blanches, un peu comme ça. Voilà, mais là dans le paquet, en fait il y a des boules carrément de toutes les couleurs. Il y en a des comme ça, il y en a des rouges, et ça c'est plutôt cool, tu vois. On a vraiment tout. On va goûter une violette. Attends, on va essayer le paquet, on va l'ouvrir. Hop, on va goûter une violette. C'est bon. Ça franchement je valide. Ah ouais, c'est super bon. Regardez les amis, les petites boules, franchement c'est super bon. Franchement, 10 sur 10. Il n'y a pas à chier. Ça, je vous le conseille. Hein. Très, 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 très bon. Hop. Ensuite, il nous reste ça, ça et ça. Ensuite, les amis, ça. Donc, ça, c'est des sucettes. Ok. Je sais que la caméra, elle n'est pas vraiment ouf. Vous verrez qu'en 1080p. Mais avec le truc, on ne voulait pas vraiment forcer bien voir la couleur. Mais on avait ce qu'il y a dans une meilleure caméra.
bah mettre là en attendant. Je peux pas tout avoir dans la bouche. Donc là, c'est des sucettes comme ça. Voilà, donc dedans, il y a quand même pas mal. Il y en a une bonne vingtaine. Donc ça va directement goûter ça. Si ça veut bien s'ouvrir. Ok. Allez, ma sucette. Franchement, elle est bonne. Franchement, c'est bon. Voilà. C'est vrai que ça change. Elle a un peu de goût de caramel. Un petit peu caramélisé. Pas forcément beaucoup, mais un tout petit peu. Un petit truc avec un peu de fraise. Un peu de plusieurs goûts. Et franchement, c'est pas mal. Franchement, j'adore. Je vous la conseille. C'est super bon ça. En plus, ça coûte pas forcément très très cher. Ça coûte presque rien quoi. Ensuite, les amis, ça c'est ça que je voulais vraiment, c'est goûter en priorité. Ça c'est bon, voilà, ils sont tellement beaux. Vous inquiétez pas, comme je vous ai dit, bientôt je vais investir dans une meilleure caméra. Mais là, c'est vraiment, je filme avec OBS avec une caméra 1080p, je crois que ça coûte 40€. Mais vous inquiétez pas que je vais investir quand je pourrai dans une caméra netcom, un peu comme les grands youtubeurs là, 800 balles. Mais bon, là, ça sert à rien, voilà. En ce moment, ça sert à rien, quoi. Donc là, vous avez 4 sucettes comme ça. Assez cool, d'ailleurs. C'est rigolote. Franchement, j'aime bien. Donc, on va essayer de goûter aussi. Par contre, ils sont énormes. Ah, ça, je vais bien aimer. Oh, c'est des heures de sifflet. Ouais, ça, c'est rigolo, ça. À la fraise. Regardez, c'est de toute beauté, quoi, tu vois. Oh, c'est bon. Oh, je vous jure, c'est super bon. Franchement, j'adore. Donc là, il y en avait 4. C'est tombé. Franchement, c'est à la fraise. Et je vous jure, c'est très, très, très bon. Franchement. Voilà. Oh, ça. What? Très très bon. Un petit, en plus t'as un sifflet. Donc ça pour les enfants, je vous le conseille. Et pour finir les amis, attention, le gros sachet de bonbons de mère, tu vois. Et dedans il y a vraiment tout. Alors il y a des paquets, je sais que Action, on a des paquets, c'est que soit l'un, soit l'autre. Et là les amis, on a quand même pas mal de choses. D'ailleurs je vais vous dire où j'ai acheté tous ces bonbons là. Et je vous conseille de les acheter parce que les prix, franchement, ça vaut vraiment le coup. On va ouvrir ça. Ah oui. Ah ouais, il y a vraiment du choix. Waouh, ça c'est trop stylé. Une petite bouteille de coca. Hop, on va essayer de goûter. Oh, j'ai pas m'étouffer que le bordel. Je suis con. C'est bon. Petite bouteille de coca, je valide. C'est super bon. Après, on a déjà des petits hamburgers. On va essayer de goûter des hamburgers. Hop. Attends, on va prendre. Ah voilà. Vous avez le pain et la salade. J'ai mangé. Des pizzas que tout le monde connaissait quand j'étais petit. Hein. Des nuts. Assez stylé aussi d'ailleurs. Oh, on a ça aussi. Vous savez les trucs là, le pain que tu coupes là et tu mets le saucisse dedans. Oh, et là des frites dans un petit paquet. Oh, c'est trop. Oh, vas-y, je l'ouvre. Il est trop stylé ce paquet là. Hop, décalotage. Hop. Oh, c'est trop stylé ça par contre. Ah, ça par contre, je valide ça. Oh, franchement, c'est trop stylé ça. Regardez les amis. Des frites chez McDonald's. En petit format, ça c'est pour les pauvres. Vas-y, on va goûter. Ah, c'est super bon. Franchement, je valide. Donc voilà les amis. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, mettre un petit commentaire dans les commentaires. Me dire sur 10 combien vous mettrez
sur ces bonbons-là. Et d'ailleurs, si vous l'achetez, c'est à Action. Action, ils vendent pas mal de trucs qui viennent des États-Unis, tout partout. Et vous avez à des prix, mais vraiment fulgurants, quoi. D'ailleurs, le gros sachet là, vous payez à peine 2 euros. Les sucettes comme ça, c'est à peine 69 centimes. Alors que vous payez ça sur la Ducasse à 3-4 balles. Le gros sachet comme ça, c'est à peine 1,60€. Je vous jure que même les petites boules là, c'est à peine 1€. Alors que t'as un gros sachet. Les sifflets, ça coûte rien non plus, 60 centimes. On a vraiment pas mal de choses qui coûtent vraiment rien. En gros, moi j'en ai sorti, pour être franc avec vous, j'en ai sorti à peine pour 8€. J'avais tout ça. Donc c'est quand même un truc de ouf. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like. Et je vous dis, tiens, oui, portez-vous bien.